si chacun de ces joueurs, laissons même le fait que la FECAFOOT pouvait soutenir le groupe de Ngando Piquet, si chaque joueur, les 27 joueurs qu'on a sélectionnés, si chaque joueur prend 50 000 francs CFA, il met de côté fois 27 joueurs, nous serons à 1 350 000 francs CFA. C'est-à-dire que je pense que si chaque joueur faisait ces efforts-là, ils auraient regroupé 1 350 000 francs CFA pour soutenir ces gars. Ou alors même si chaque joueur met 100 000 de côté, on est à 2 700 000. Est-ce que ça n'aurait pas résolu le problème? Ces gars, chacun a reçu 45 millions de francs CFA. Je ne sais pas si c'est 45 millions de francs CFA brut où ils vont encore payer les impôts, ou c'est le net qui tombe dans leur compte, ou ils ont encore une provision qu'ils doivent payer à je ne sais qui. Mais de toutes les façons, même s'ils vont, ils ont encore un 20-30% à payer comme taxe sur les 45 millions, il va rester quelque chose, un tiers de 45 millions, c'est 15 millions, donc il va rester au moins 30 millions. Si sur 30 millions, chacun retire 100 000 francs CFA. Pour ces gars qui les soutiennent, les gars, ils sont toujours partout, ils s'en vont. Ngando Piquet et son équipe sont là. Ce monsieur est une icône au Cameroun. De la même façon qu'on parlait de Mila Roger, c'est comme ça qu'on devait parler de Ngando Piquet. Pourquoi dans ce pays, il y a des boulots marginalisés? Tout le monde a son utilité dans la société. Il n'y a aucun boulot qui doit être marginalisé. Certains vont me dire, est-ce que aller supporter les lions sur le travail? Mais c'est terrible. Vous pensez que c'est facile de se mettre dans les gradins et chanter pendant 90 minutes? C'est facile. Abandonner sa famille pour aller par exemple au Qatar faire un mois, c'est facile. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle d'effets de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter, je vais te dresser une stratégie qui va te permettre de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne ou pas, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter et je vais leur dresser une stratégie qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Et je suis également en train de travailler sur une collaboration avec certains partenaires en Afrique, n'est-ce pas, pour également me pencher sur l'investissement immobilier en Afrique. Et une fois que j'aurai toutes les informations par rapport à ça, une fois que la collaboration sera bien établie, je vais, n'est-ce pas, communiquer là-dessus. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'une situation que je qualifie d'extrêmement grave. Et pour ceux qui ne connaissent pas celui qu'on appelle Ngando Piquet, c'est en fait la mascotte de l'équipe nationale du Cameroun. C'est un monsieur, c'est un papa, c'est un individu qui a beaucoup œuvré pour le Cameroun. Quand on parle des lions indomptables, je pense que normalement ce monsieur devait avoir le titre de lion indomptable aussi. Parce que toutes les 5 Coupes d'Afrique que le Cameroun a eu à remporter, monsieur Ngando Piquet a été, lui et son équipe, présent pour supporter les lions indomptables du Cameroun. Une équipe ne peut pas faire une bonne prestation s'il n'y a pas de supporters. Imaginez pour tous ceux qui sont des fans du sport, des fans du football, imaginez un match sans spectateurs. Ça donne quoi? Ça ne donne rien du tout. Donc vous ne pouvez pas être compétitif, vous ne pouvez pas être performant au stade si vous n'avez pas le soutien du 12e homme. C'est extrêmement important. Et c'est ce qui actuellement est en train de pousser la Côte d'Ivoire à aller au-delà
de leurs efforts. Donc, le 12e homme est extrêmement important. Moi, franchement, si je ne m'étais pas penché sur cette problématique, je ne savais pas que ce monsieur Ngannou Piquet n'est pas soutenu, accompagné par la FECAFOOT. En principe, c'est un monsieur qui devrait déjà normalement avoir un contrat avec la FECAFOOT lorsque les Lions Indomptables ont une sortie, lorsque les Lions Indomptables ont un match. Je vois par exemple des influenceurs et des influenceuses qui sont invités, qu'on invite à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde, et ils sont payés, leur déplacement et leur séjour sont payés par le contribuable camerounais. En tout cas, c'est une situation qui m'a beaucoup choqué et j'aimerais placer deux ou trois mots. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais dire deux ou trois mots par rapport à la situation de M. Ngannou Piquet qui est actuellement coincé en Côte d'Ivoire, qui ne peut pas rentrer avec son équipe. Ils se sont d'abord débrouillés par leurs propres moyens, n'est-ce pas, de se retrouver en Côte d'Ivoire par la route. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas voyagé par avion, ce qui est pour moi un scandale. Normalement, la FECAFOOT devait se pencher sur cette thématique-là, sur cette problématique-là. Mais je suis énormément surpris que malgré les efforts qu'il a eu à faire, lui et son équipe, pour se retrouver en Côte d'Ivoire après la compétition, même un soutien, même une subvention de la FECAFOOT, rien du tout. J'ai été vraiment surpris. Et déjà, si tu t'y connais ou alors si toi, tu as plus d'informations par rapport à cette situation, n'hésite pas à écrire en commentaire. Voilà, prends quelques minutes de ton temps et regarde cette vidéo ou alors cette interview de manière attentive et je te reviens après la vidéo. Voilà, vous voyez dans l'eau quand on traverse. Bien prêt, tout le monde, tout le monde, vous filmez là-bas. On a dit que j'ai l'équipe ici, bien prêt. Hein? Wata, wata, c'est trop bien, wata. Can see the water there. Can see the water there, all over. Can see how it's going down. On voit comment on traverse avec le bateau. Tout le monde est super enjoyment. Like enjoying the orange, as you can see. Yeah. Come and sit. You can see, my friend is there. I'm going to move. Okay. Nous sommes en train de traverser la Benue. Nous allons vers Onitsha. Onitsha, il part dans Lagos. Voyez comment nous souffrons. Ça, c'est le patriotisme. Voilà les Lions Indomptables. Allez, les Lions Indomptables. Nous allons chercher notre 6e étoile. À Yamsoukro, Abidjan. Take down where they come, where they follow, where they come back. Après, les gens restent au quartier, d'ici sont les supporters. Et maintenant, c'est maintenant. Après, les gens, vous restez au quartier, vous dites que vous êtes les supporters. C'est maintenant que ça a commencé. C'est maintenant. Il n'y a pas l'écriture là-bas. On n'écrit pas là-bas. Le long crayon, il n'y a pas ça là-bas. Merci de nous retrouver dans cet entretien exclusif avec Ngannou Piquet, la mascotte des Lions Indomptables. Bonjour Ngannou. Bonjour. Comment vous allez? Vous voyez dans quelle situation je suis. Je suis vraiment, nous sommes vraiment dans le pétrin. Cette fois-ci, ça a cuit. Un côté cuit, un côté blanc. C'est mauvais. Des informations largement relayées sur la toile
font état de ce que vous avez été abandonné en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces informations-là? Je voudrais tout d'abord informer à tous ceux qui me parlent de moi, de nous, dire que je n'ai pas commencé à faire ce travail pour de l'argent. En 1984, j'étais à Abidjan. C'est là où je me suis engagé à suivre les gens de l'État du Cameroun. Je ne savais même pas qu'on donnait 5 francs de compte. C'est moi qui sortais mon argent, qui allait partout, partout. J'ai fait 84, j'ai fait 88. Je suis resté. J'ai repris vraiment, vraiment en 90 ans, en 96, 98 au Burkina Faso. Où le professeur Joseph Ona et tous les Camerounais résidents à Ouagadougou ont fait de moi la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux comme c'est devenu le pain haricot bouilli de certains Camerounais qui veulent se faire voir. Une dame se met à dire là, hey, tu es dehors, tu es trop vieux, il faut rentrer au Cameroun. Pourquoi tu fais ça, tu n'as pas honte, tu as gagné beaucoup d'argent. Et tout ce dit cela. Je demande à cette dame-là, c'est toi qui m'as un jour donné 5 francs derrière les deux. Au contraire, c'est moi qui sors qui gaspille mon énergie. C'est moi qui sors de là. J'ai payé 3 millions de francs de billets déjà pour aller en Égypte supporter les Lions de notre du Cameroun. Revenons à la question, Gando Piquet. Est-ce que c'est vrai que vous et votre équipe, vous avez été abandonnés à Abidjan? Mais nous voici ici, non? Tout le monde est là. Personne n'a bougé. Ne serait-ce que le président n'a même pas osé même venir même nous encourager, nous dire que vraiment, les gars, c'était mauvais, voilà pourquoi vous êtes venus, vous êtes arrivés. Il n'a même pas osé faire un pas vers nous. On appelle ça de la méchanceté, la plus méchanceté, la plus méchanceté. Nous sommes là. Nous travaillons pour le vert ou jaune. Nous étions au Qatar, vous ne nous avez rien donné. Ça ne nous a rien dit. Nous partons de Douala pour Yaoundé avec tous les gars. C'est moi qui paye le transport, on ne vous demande rien. Quand on veut dire que comme ça, vous demandez trop, vous faites comme ça. Qui vous a dit ça? Mais le directeur de marketing. Mais on vous demande quoi? De la FECAFOOT. De la FECAFOOT. On ne vous demande rien. Laissez-nous souffrir comme on souffre. Nous sommes en train de souffrir. Les Camerounais qui nous aiment. Les autres qui nous aiment. Moi, j'ai versé les larmes quand on revenait du stade l'autre jour, après le match contre le Nigeria. Les gars sont témoins. Pendant qu'on marchait, un cas de policier qui passait, j'ai entendu Gando Piqué, je crois que j'étais à Douala ou à Yaoundé. Monsieur, je vois que c'est les Ivoiriens. Je ne savais pas que j'étais connu comme ça. Je vois ici, deux fois on n'a pas mangé. Les gens disent, oh, c'est le supporter Camerounais, c'est Gando, ouais. Il nous appelle manger. C'est ça l'amour. Ça nous fait deux fois oublier que nous sommes dans le pétrin. Il faut rappeler que vous êtes venu en Côte d'Ivoire par la route. Votre périple d'ailleurs a fait l'objet de plusieurs reportages à travers le monde. De Fumban jusqu'à Yamoussoukro, vous attendiez à quoi en venant en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous êtes dit, je me suis sacrifié en venant par la route, une fois ici, la fédération ou éventuellement le ministère va me prendre en charge? On n'a jamais mis ça dans nos têtes. Nous supportons le vert ou jaune, nous avons le vert ou jaune dans l'âme. Nous sommes partis du Cameroun en se disant que nous venons chercher la 6e étoile du Cameroun. On savait qu'il n'y a pas de supporters. C'est nous qui faisons la force des Lions de notre table du Cameroun. Si les Lions de notre table du Cameroun ont les 5 trophées, j'ai participé à tous les 5 trophées que les Lions de notre table ont gagnés. J'ai été partout. Voilà pourquoi nous sommes venus. Bon. En arrivant, si il arrivait que quelque chose devait se produire, oui, ça tombait. Mais ce qui nous fait mal, comment ça va encourager notre Camerounais à le faire? C'est pourquoi je dis que je plains tous ces Camerounais qui ne savent pas ce qui se passe, qui disent Gado a reçu beaucoup d'argent, Gado a fait dire cela. Je vous rappelle que nous étions au Qatar, voilà les enfants qui sont là. On n'a eu aucun 5 francs. Et le fois même là-bas, on mangeait dans notre poche. On s'est donné de l'argent pour manger. On part de Douala pour supporter les lions partout, on ne donne aucun 5 francs, nous payons le transport de nous-mêmes. Merci, je dis merci
aux Camerounais qui voient notre travail, qui reconnaissent ce que nous faisons. Nous aimons notre vert ou jaune et nous travaillons pour le vert ou jaune. Pas pour voler comme certains. Avant de revenir justement à votre situation et d'inviter les Camerounais à se mobiliser autour de votre cas, comment est-ce que vous avez vécu le fait que dans les gradins, il n'y avait pas assez de supporters camerounais? Pourtant, on a vu des charters organisés, que ce soit par la fédération, que ce soit par des entreprises, faire venir en masse des influenceurs, des blogueurs camerounais. Mais dans le stade, tous les matchs, toutes les rencontres des Lions Indomptables, les supporters étaient en minorité. Il n'y avait que vous et quelques personnes. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? C'est pourquoi je veux dire que les supporters du Cameroun, il n'y en a que nous. Les vrais supporters, il n'y en a que nous. Quand on vient, les Lions de notre table, les joueurs, ces joueurs savent notre musique. Quand on dit, ils répondent ça, allez les Lions, vous allez gagner. Pardon, dis-moi qui va gagner, les Lions de notre table vont gagner, c'est nous. Tous les autres, vous les voyez où? Ils ont mis les filles dans l'avion, les influenceurs qui m'insultent maintenant, tout ça, tout cela. Ils sont où? Quand ils viennent au stade, ça compte bien également au stade, ils s'assiedent, ils s'en foutent. Tu les vois jubiler quand les Lions marquent un but. Nous jouons avant, pendant et après. C'est nous. La force des Lions de notre Cameroun, c'est nous. Même dans ma vieillesse, je fais plus que ces jeunes. Personne, aucun jeune ne peut partir du Cameroun, venir souffrir comme je le fais pour rien. Il y en a qui sont arrivés ici à la paix, il y en a qui sont venus, ils sont où aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'argent, ils ont fui. Et nous, nous sommes toujours là. Vous êtes là justement, Gando Piquette, je vous ai trouvé avec votre équipe. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Ça s'organise que c'est nous, vous voyez tout ce qu'il y a ici. Nous étions déjà dehors. Parce que là, nous étions à 13 villes où on payait 12 000 francs par jour. On avait trois chambres. Ça fait combien? Trois chambres par jour, ça fait combien? 12 000, 36 000, effectivement. Tous les jours, donner 36 000 francs tous les jours. On a l'argent. Tout ce que les gens nous offrent là, Gando prenait 10 000, l'autre prenait 20 000, l'autre prenait ça. On continue pour payer la maison. Il faut manger, il faut payer le transport, il faut aller de gauche à droite chez les gens. On va prendre de l'argent en haut. Voilà pourquoi nous sommes bloqués maintenant. Nous vous supplions, tous ceux qui aiment les Lions de notre commun, tous ceux qui aiment le travail du groupe Gando Piquet, tous ceux qui aiment ce que nous faisons depuis avec les Lions, de nous aider. Vous étiez dans les gens, on nous a appris que le transport retour simple au Cameroun, ça revenait à 200 000 francs. Vous êtes combien au total? 200 000 francs pour le 1er février. Après le 1er février, 200 000 francs. Ce qui fait que nous sommes à 7, ce qui revient à 1 400 000 francs. Bon, les prix varient, hein. On va pas s'arrêter à 200 000. Les prix varient. Un peu plus. Vous êtes au nombre de 7. Nous sommes au nombre de 7. Vos besoins, dans l'urgence, c'est l'achat des billets d'avion. L'achat de billets et rentrer au Cameroun. La rentrée au Cameroun et avoir l'accompagnement, diplomatique nécessaire. Je pense peut-être des laissés passer, parce que vous en avez besoin. Si, nous avons besoin de laisser passer pour pouvoir rentrer. Pour pouvoir, rentrer au Cameroun. Oui, oui. Donc je rappelle que en dessous de cette vidéo, nous allons faire afficher vos différents numéros de téléphone pour que les gens puissent vous joindre directement. Ceux qui peuvent, vraiment n'hésitez pas pour apporter votre aide à la mascotte nationale Gando Piquette qui durant toutes ces années a donné de sa sueur, de son temps pour les Lions Indomptables. Je voudrais dire à ceux qui disent n'importe quoi, qui prennent le Facebook comme le beignet haricot bouilli qui mange tous les jours. Gando Piquette et ses gars, depuis que je voyage, la plus grande somme d'argent que j'ai eu avec les gens, c'est de me donner 1000 euros. Les gens qui disent que j'ai beaucoup voyagé, j'ai reçu beaucoup d'argent, qui me donne cet argent? Bon, certains ont même parlé d'un chèque de 10 000 dollars de Patrice Evra. Mais Patrice Evra nous a donné 10 000 dollars. On a partagé ça aux supporters, c'est pour les supporters, tous les supporters. Il y en a qui ont pris 200 000. C'était pendant le mondial au Qatar. C'était pendant le mondial. Avant le mondial. C'était avant le mondial. Il y en a qui ont pris 200 000, il y en a qui ont pris 300 000. Enfin, ça, c'est longtemps. Ça. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de... On connaît les rapports que vous avez depuis plusieurs années avec Samuel Etoufis, président de la Fédération Camerounaise de football. Il sait que vous êtes là. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Que vous a-t-il dit? Vraiment, vous m'amusez trop. Vous m'amusez sérieusement.
Ce n'est pas le président Samuel Eto'o qui devait me laisser ici habitant et rentrer au Cameroun. Ça me fait de la peine, ça me fait couler des larmes même. Je vous assure. Le président Samuel Eto'o n'est même jamais venu nous dire « Bonne arrivée les gars, comment vous allez ?» Jamais de la vie, tous les gars sont... demandez aux gars qui sont là avec moi. Mais les Ivoiriens sont venus nous saluer. Les gens sont venus nous féliciter. Enfin, la mascotte camerounaise est déjà là. À Yamoussoukro, nous avons été accueillis. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont bien accueillis. Pourquoi le président de la Fédération ne vient même pas nous dire, on ne veut même pas, même un simple bonjour pour des encouragements, mes gars. Et je m'excuse parce que, allez-y. Je m'excuse parce que, moi, je suis allé dans le faux. Parce qu'on est venu nous voir quand je suis à Yamoussoukro. Tous les journalistes sont témoins de Canal et tout ça qui étaient là. Qui voulaient me dire, ils me disent non, vraiment, laissez tomber l'affaire. Ne dites plus ça. L'Africa Food va vous aider. Va vous qui donner. Vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On ne cite pas les connaissances. Non, je veux dire, je veux quand même recadrer. Un monsieur qui est l'Africa Food. Un monsieur qui est proche du président de l'Africa Food. Voilà, il faut préciser. C'est lui faut qui préciser. Est venu nous voir, qui nous a dit de rester tranquille, ne dit plus rien. Il va tout faire pour que. Ils vont tout faire pour nous mettre à l'aise. Voilà pourquoi j'ai dit que non, la FECAFOOD nous a déjà pris en charge, il n'y a plus de problème. Je demande merci pour le faux, j'ai été faux, vraiment, excusez-moi, j'ai été faux. C'est bien compris, Ngando Piquet. En tout cas, on invite vraiment, comme je le disais, tous les Camerounais, dans la mesure du possible, à se mobiliser. Pour cette icône, et pas seulement les Camerounais. Vous savez, Ngando Piquet, s'il a participé aux victoires des Lions indomptables, ça veut dire qu'il a contribué à permettre à l'Afrique d'avoir plus de place aux compétitions internationales à travers les Jeux Olympiques et plusieurs compétitions sur le plan international. Donc nous sommes à Abidjan, on invite les Camerounais résidant à Abidjan, en regardant cette vidéo dès ce soir, à faire un geste pour Ngando Piquet. On invite même les Ivoiriens à faire un geste pour Ngando Piquet. Bon, on ne sait jamais, le Cameroun l'a abandonné. Peut-être que la Côte d'Ivoire va récupérer Ngando qui n'est pas valorisé au Cameroun et lui donner un maillot, je ne sais pas. Quoi. De toutes les façons, on invite toutes les âmes de bonne volonté à se mobiliser pour venir en aide à cette icône, à quelqu'un qui a contribué, n'en déplaise. Hein, parce qu'on sait généralement au Cameroun, les avis changent en fonction des circonstances, mais n'en déplaise, Ngando Piquet a contribué à rehausser le drapeau du Cameroun au plus haut. Et il est temps vraiment qu'on le soutienne. Merci en tout cas à ceux qui ont regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres capsules sur nos différentes plateformes. À très vite. Merci. C'est mauvais. Ça va aller. Nous allons arriver. Voilà mon savant. Dans un cas, ne pleure à craquer. Son meilleur supporter. Et il porte le nom du Cameroun. On l'a vu à Mondiovision. Et aujourd'hui, à Bandona Abidjan, les autres sont rentrés. Ils sont chez eux, ils dorment. Avec un avion vide. Maman, me voici. Ce n'est que le chapelet ici que tu m'as montré. Nous sommes sept, maman, qui avons pris cette route. Nous voici. C'est avec les larmes et un cri de cœur que je parle. C'est pour une première fois que je me pleure dans une compétition majeure au Cameroun. Je représente le Cameroun partout. Sans demander un copain à quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a certaines personnes tapées dans l'ordre qui viennent nous dire que tout va aller. Et aujourd'hui, nous voici à Abidjan. Regardez mon chapelet. Il porte le vert et le rouge et le jaune. Et je le compte dans tous les stades du monde entier. C'est avec un cri de cœur que je demande cette faveur, maman et papa. Regardez mes larmes couler. C'est une première fois que je pleure devant le monde entier pour dire que ça ne va pas. J'ai été à l'hôtel avec mes sept frères. Aucun mot
de réconciliation ne nous a soutenus. Même pas le bonjour, je n'ai pas eu. Me voici. Voilà un chapelet vert rouge. Même avec cette embuscade, le président de la fédération n'est jamais venu nous dire félicitations et courage. Comment est-ce que je me ressens camerounais dans les grades? Lorsqu'on prend cette photo, on pose à l'écran géant. Ce n'est pas mon nom. Je ne sais même pas si les gens connaissent mon nom. Je ne sais même pas. On parle du Cameroun. On parle du Cameroun. Alors, je vends l'image du Cameroun. Pourquoi est-ce que c'est médiocre? C'est l'image de mon pays que je parle. Parce que ça fait mal quand je me trouve dans cette situation. J'ai bravé et les serpents en route, et les montagnes, et les collines. L'eau. L'eau pour me retrouver ici à Abidjan. Parce que je viens supprimer mon pays. Et aujourd'hui, les gens m'insultent dans les réseaux sociaux que je suis mangeant. 8, 19, 20, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. 1 400 000 pour rentrer à Yaoundé. C'est voilà. Vrai que Cameroun, Côte d'Ivoire, souvent on ne s'entend pas, mais on reste toujours africain. C'est l'Afrique qui gagne. On s'est titillé juste. Voilà. Il est Camerounais, on est Ivoirien. C'est le même sang qui coule dans notre veine. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pépé, tu rentres bien, que Dieu t'accompagne. Je voudrais dire merci à la société Africa Mine. Exploitation minière qui vient de me sortir du trou noir où j'étais plongé. Je suis maintenant, je vois le soleil déjà. Vous savez qu'on ne ferme jamais le soleil. Je vois le soleil, je vois la lumière déjà. Je dis merci Africa Mine pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je demande au bon Dieu de leur ajouter encore beaucoup sur ce qu'ils ont déjà. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Merci. Merci au bon Dieu. Merci. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous. On a le droit et l'obligation de faire la charge. Merci beaucoup. De s'occuper de vous. Merci beaucoup. Voilà, vous avez dit le tête de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même chose. Bon. Donc, c'est fini. On va prendre la parole. Tu vas dire merci à tous. Merci. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Merci à mon frère. Merci à la société des mines. Ouais. Vraiment, le père, il a tout dit. Donc, c'était lui le principal acteur. Moi, j'étais juste un relais pour que ça puisse s'accomplir. Donc, on rend grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé et le père va bien voyager. Donc, merci encore. Merci encore à tous ceux qui nous ont contactés. Voilà, dans l'interview, je crois qu'il a été assez clair. Désolé que l'interview soit un peu longue, mais il fallait vraiment prendre le temps d'écouter ce que M. Ngando Piquet avait à dire. Nous voyons donc ensemble que nous sommes vraiment le Cameroun a vraiment touché le fond. Parce que c'est incroyable qu'on vive encore ce scandale. Les influenceurs et les influenceuses, jusqu'à présent, je réfléchis encore leur rôle en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas dans les coulisses. Je ne sais pas quels sont les contrats avec ces influenceurs, ce qui est contenu dans leurs contrats, ce qui s'en vont là-bas faire, je ne sais pas. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que M. Ngando Piquet a été abandonné avec son équipe. Nous voyons des messieurs, des chefs de famille, des papas pleurer comme des enfants. C'est quand même incroyable. Je crois quand même que si chacun de ces joueurs, laissons même le fait que la FECAFOOT pouvait soutenir le groupe de Ngando Piquet, si chaque joueur, les 27 joueurs qu'on a sélectionnés, si chaque joueur prend 50 000 francs CFA et met de côté fois 27 joueurs, nous serons à 1 350 000 francs CFA. C'est-à-dire que
je pense que si chaque joueur faisait ces efforts-là, ils auraient regroupé 1 million 650 000 francs CFA pour soutenir ces gars. Ou alors même si chaque joueur met 100 000 de côté, on est à 2 700 000. Est-ce que ça n'aurait pas résolu le problème? Ces gars, chacun a reçu 45 millions de francs CFA. Je ne sais pas si c'est 45 millions de francs CFA brut ou ils vont encore payer les impôts ou c'est le net qui tombe dans leur compte ou ils ont encore voilà, une provision qu'ils doivent payer à je ne sais qui. Mais de toutes les façons, même s'ils vont, ils ont encore 20-30% à payer comme taxe sur les 45 millions, il va rester quelque chose, un tiers de 45 millions, c'est 15 millions, donc il va rester au moins 30 millions. Si sur 30 millions, chacun retire 100 000 francs CFA pour ces gars qui les soutiennent, les gars, ils sont toujours partout, ils s'en vont. Ngando Piquet et son équipe sont là. Ce monsieur est une icône au Cameroun. De la même façon qu'on parlait de Mila Roger, c'est comme ça qu'on devait parler de Ngando Piquet. Pourquoi dans ce pays, il y a des boulots marginalisés? Tout le monde a son utilité dans la société. Il n'y a aucun boulot qui doit être marginalisé. Certains vont me dire, est-ce que aller supporter les lions sur le travail? Mais c'est terrible. Vous pensez que c'est facile de se mettre dans les gradins et chanter pendant 90 minutes? C'est facile. Abandonner sa famille pour aller par exemple au Qatar faire un mois, c'est facile. Ce n'est pas le travail. Regrouper ces équipes-là, le matériel qu'ils utilisent, voyager, aller chanter, danser, est-ce que c'est facile? Même si on ne les paye pas vraiment, comme si on les payait comme si c'est comme salaire, mais il doit avoir quand même des subventions. Il doit avoir quand même un petit dédommagement, même le transport normalement. Quand je regarde par exemple l'arrivée des Lions indomptables il y a quelques jours, c'est quoi lundi, il y a quelques jours, il y avait combien de personnes dans cet avion-là? Ngando Piquet et son équipe, ils ne sont que 7. Ça coûtait quoi à la FECAFOOT? Le vol de toutes les façons allait voyager. On fait voyager un avion vide, pourtant on a 7 Camerounais qui sont allés pour soutenir les lieux indomptables qui n'ont pas la possibilité de rentrer. C'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pense que la FECAFOOT doit également se pencher sur cette situation et dans l'avenir essayer de trouver une solution par rapport à ça. Parce que les gars prennent de leur temps. Ils dépensent également en énergie, ils s'en vont là-bas, ils chantent, ils travaillent, ils sont là pour soutenir les lions. Les lions en ont besoin pour faire de bonnes prestations. C'est très important. Voilà. Et je vais m'adresser à M. Ngando Piquet et son équipe. Prends ton équipe ou alors toi, étant le représentant de cette équipe, va à la FECAFOOT et pose tes doléances. Tu leur dis carrément parce que tu prends déjà de l'âge. Et il y a les déplacements que tu ne dois plus faire comme ça. Donc, pour faire un déplacement, tu ne dois plus te déplacer seulement comme un fan, mais tes déplacements doivent être subventionnés ou payés. Parce que tu t'en vas exactement comme... Je pense même que tu es plus utile que certains team manager, certains membres de cette équipe, de ce staff-là. Il y a beaucoup de gars dans le staff-là qui sont inutiles, qui sont là figurant, une foutrine là-bas. Après, on leur paye les 50, les 100, les 60 millions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, avant de quitter le Cameroun, il faut exiger un contrat. Donc, quand tu arrives, la prochaine fois, quand il y a un match, quand les Lions indomptables ont un match, avant de quitter le Cameroun, exige que la FECAFOOT te donne un contrat. Si la FECAFOOT ne te donne pas un contrat sur cette durée-là, ou alors ne te donne pas des subventions claires et nettes, ne bouge pas. Arrête. C'est aussi simple que ça. Parce que cet investissement, déplacement, tout, nutrition sur place, logement et tout ça, là, les fonds doivent venir de quelque part. Qui doit financer ça? Qui doit financer ça? Oui, tu as une équipe de 7 personnes, tu vas traîner 6 personnes derrière toi? Ça n'a pas de sens. Donc, et dans ce sens, vous allez travailler comme des prestataires, en fait. Ça dit que, un peu, voilà, vous êtes une équipe d'animateurs et on vient vous voir, on vous donne un cachet comme des artistes. Il faut tout faire pour avoir ce statut-là. Ne te lance plus dans les voitures, à pied. Je crois que c'était pareil à la Coupe d'Afrique en 2000 au Nigeria, un truc comme ça. Vous avez aussi des difficultés pour vous retrouver au Nigeria. Donc, fais en sorte que la FECAFOOT te voit comme un prestataire de service. Ils ne peuvent pas te payer comme un prestataire de service. Ils laissent. Tu ne te déplaces pas avec ton équipe. Pour éviter ce genre de choses où on voit des messieurs, des chefs de famille, des papas, en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas la possibilité de rentrer au Cameroun. Donc, si vous n'avez pas de contrat,
voyagez plus, ne partez plus. Prenez cet argent, vous faites autre chose, vous investissez ailleurs. Parce que ça ne vous rapporte rien du tout. Oui, mais je devrais également dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose également à la FECAFOOT. Essayez de revoir dans vos budgets de fonctionnement, dans votre ligne, ou alors dans votre plan d'action, essayez d'intégrer le soutien, ou alors d'intégrer la rémunération du 12e homme. C'est-à-dire que la rémunération des supporters ou la rémunération des personnes qui accompagnent l'équipe nationale du Cameroun lors de ces différentes sorties. Parce que Ngando Piquet, il dépense de l'argent pour se retrouver là-bas. Je ne suis pas en train de prendre le parti de M. Ngando Piquet. Je ne le connais pas. Je parle de ce que j'observe et du coup, voilà, si c'est que derrière, il reçoit un autre cachet, ça, je ne peux pas savoir. Mais il faut le faire de manière officielle, trouver la possibilité ou alors trouver un budget que vous allez fixer pour ce genre de cas. C'est-à-dire que lorsque Ngando Piquet se déplace pour aller vous soutenir, vous devez les subventionner. De la même façon, c'est exactement ce que vous faites. Ce que la FECAFOOT fait pour soutenir les influenceurs et les influenceuses. Et je ne pense pas que ce que les influenceurs et les influenceuses font là-bas est plus que ce que Ngando Piquet s'en va faire là-bas. Il est vraiment au four ou au moulin pour soutenir les lieux indomptables. Il a accompagné l'équipe nationale du Cameroun pendant toutes ses sorties, pendant toutes les 5 Coupes d'Afrique que le Cameroun a remportées. Ngando Piquet a été là pour soutenir les lions. Donc il faut le payer, il faut le rémunérer, il faut subventionner ses déplacements. C'est très important. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est très facile. Hein? Je m'adresse à la FECAFOOT. Ce que vous pouvez faire, c'est de diminuer le nombre d'influenceurs. L'argent que vous versez aux influenceurs, aux influenceuses, vous diminuez un peu le nombre et la rémunération des influenceurs et influenceuses. Et une partie, vous payez Ngando Piquet et son équipe. C'est très important. Vraiment, ça salue la réputation de notre pays lorsqu'on voit Ngando, le grand Ngando Piquet, cette icône qui est abandonnée en Côte d'Ivoire et qui pleure comme un enfant avec ses gars. Je crois que ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à cette situation. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.